Hey, what's up? J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, les temps sont très durs pour le sport. On a eu la confirmation que les salles de sport resteront fermées encore pendant 2 semaines. Là où je suis, toujours là où je suis, ça restera fermé pendant encore 2 semaines. Avec la semaine dernière qui s'est passée, ça fait 3 semaines. J'espère juste que la situation va s'arranger et que nous pourrons aller à la salle dans les 2 semaines à venir et qu'on va pas attendre encore 2-3 mois pour retourner en salle de sport. C'est pour ça que là, j'ai décidé de retourner ici, dans le studio, là où j'ai mon home gym, juste à côté, et je peux tourner et m'entraîner efficacement. Bon, là, je me suis fait un entraînement dos maison complet en 4 exercices seulement avec des haltères et une barre Z. J'ai la chance d'avoir dans mon home gym une poulie haute, une poulie basse avec laquelle je peux travailler mon dos sous différents angles. Mais là, j'ai vraiment voulu privilégier les charges libres, les haltères et la barre afin d'avoir plus d'amplitude. C'est très important. Premier exercice que j'ai fait, c'est le bûcheron haltère. Exercice qui est vraiment très très intéressant. Exercice que je ne faisais pas beaucoup. Exercice que mon partenaire d'entraînement faisait vraiment beaucoup et que lui se renforçait son dos et lui me disait de faire ça. Je disais ouais, non et tout. Mais là, j'ai appris à bien le faire, j'ai appris à bien ressortir mon dos et c'est vraiment un exercice à faire. Le bûcheron haltère, je l'ai fait en 4 fois 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Exercice 2 qui est tout simplement l'oiseau haltère. Exercice, ça, l'arrière-épaule et ton dos, ils vont être développés, tu vois. C'est avec ça que quand tu mets ces hauts magiques, bah, t'es balèze dedans. C'est grâce à ça, c'est grâce à ces exos-là, oiseau haltère. C'est pour ça que ces exos ont été créés. Le mec a créé cet exo, il a dit, comment je dois remplir un t-shirt? Il faisait des mouvements et en faisant l'oiseau, il a dit, là, c'est ça qu'il faut bosser. Donc cet exercice-là, c'est un exercice très important à faire, l'oiseau haltère. Exercice aussi que j'ai fait en 4 fois 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Troisième exercice, qui est un exercice assez spécial, c'est le rowing couché sur banc. Un exo que certaines personnes n'aiment pas, d'autres personnes aiment, moi je kiffe. Un exo où je sens bien mon dos. Parce que moi, comme mon dos est mon point faible et j'ai du mal à ressortir mon dos dans l'exercice, le fait de trouver un exercice avec lequel je sens bien mon dos travailler, bah pour moi c'est important. C'est comme le curl biceps barre Z. C'est l'un des rares exercices où je sens bien mes bras travailler. Donc cet exercice de rowing couché sur banc, eh ben je l'ai adopté directement. Un exercice qui peut être assez dur. Que j'ai fait actuellement parce que à la base je le fais sur un banc incliné qui fait que j'ai beaucoup plus d'amplitude, mais là comme mon banc s'inclinait pas, je l'ai fait sur un banc droit, j'ai un peu moins d'amplitude, mais j'essaye tout de même de me relever au maximum afin de travailler tous les fibres de mon dos, enfin de travailler les fibres du haut, parce que ça travaille plus le haut du dos, ça travaille pas le milieu, on est plus dans le haut. Ok, donc ça je l'ai fait en 4 fois 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Dernier exercice, on part sur du rowing classique cette fois-ci, mais avec la barre EZ. Moi, j'aime bien faire mon rowing à la barre EZ quand je suis à la maison parce que j'ai une bonne prise. Parce que la barre que j'ai à la maison, c'est pas une vraie barre olympique, c'est une barre légère. Et la barre EZ à la maison, bah, j'ai une bonne prise, tu vois. Et en salle de sport, quand tu prends une barre de 20 kilos, ton rowing, il est pas pareil. Je sais pas, la sensation, je ne saurais l'expliquer. C'est une très très bonne session en salle quand je fais avec une vraie barre olympique. C'est pour ça que là j'ai pris une barre Z, j'aime bien la prise et ça me permet de bien faire mouvement et de bien sentir mon dos. Néanmoins, je sens moins mon dos en rowing classique qu'en rowing couché. Mais comme le rowing classique est un incontournable pour le dos, je l'ai mis dans ce petit programme maison. Cet exercice que j'ai fait aussi 4 fois, 10 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Je te cache pas, en ce moment les temps sont durs. Sur Paris, il pleut H24. Tous les jours, il pleut. Il y a de la pluie, il y a une averse, le temps est gris, tu sors dehors, il y a une averse, c'est n'importe quoi.
Et en plus, il fait froid. Le froid, il est venu d'un coup. Il est venu vraiment d'un coup. Il fait froid, il pleut. Mais c'est n'importe quoi. Sachant que là, c'est compliqué. Je viens de faire une vidéo au garage, tu vois. Dans ma salle du temps. Te parler un peu des programmes et tout. Mais le toit, il est en tôle, tu vois. Donc, dès qu'il pleut, c'est très relaxant. Mais quand tu fais une vidéo et tu parles, c'est chiant. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais faire le petit programme. Et je vais te l'expliquer ici, tranquillement. J'ai pas le choix, sinon je dois faire ça le soir tard. Mais on sait jamais, même le soir il pleut. Tu vois, c'est plus comme avant. Ça a changé la France maintenant. Enfin, Paris, ça a changé. Donc pour moi, j'ai pas trop le choix. Je vais devoir me faire plein de petits programmes à la maison, histoire de maintenir ce que j'ai, ce que j'ai gagné, ce que j'ai acquis. Je n'ai pas le choix. Je continue à prendre mes compléments alimentaires. My Protein, sachant que là je les assimile vraiment bien. D'ailleurs, j'ai une vidéo à faire dessus. Après une semaine d'exploitation de mes compléments alimentaires, j'assimile vraiment bien. Et honnêtement, je pensais pas que j'allais aussi bien les assimiler. Et je répète, je ne suis pas sponsorisé par My Protein, c'est très important. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette petite vidéo. Si c'est le cas, mets un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à la page si c'est pas déjà fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.